retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc on est samedi 4 novembre. Je vous avais dit que je vous emmènerai avec nous aujourd'hui parce que mon père vient, on fait notre cuisine. Je suis trop contente. Là je vous retrouve depuis mon dressing. Enfin ce n'est pas la pièce dressing mais derrière il y a mon dressing, voilà. Et pour l'instant cette pièce qui devrait être un bureau, un petit peu le dépotoir, hein, voilà, elle n'est pas du tout encore aménagée, il y a plein de bazar partout. Donc là vous voyez mon nouveau dressing derrière, c'est le... je crois que c'est les dressing packs de chez Ikea, enfin... le truc basique que beaucoup ont, mais le truc il est énorme. Ça c'est mon ancien dressing pour info. Voilà, est-ce que vous allez vous rendre compte? Donc là c'est le nouveau et ça c'est l'ancien. Donc voilà, il fait quand même 4 fois la taille du truc. Et il n'est pas encore rangé parce que j'ai pas encore accès à mes tiroirs. Donc là il est quasiment 9h30, mon père ne va pas tarder. Il va ramener Ethan, ça résonne la nuit. Il va ramener Ethan parce qu'en fait ma mère l'a gardé hier et elle l'a gardé à dormir pour que je puisse... m'occuper de la cuisine parce que non c'était pas fait. Voilà, on avait commencé à retirer le papier peint, donc ici c'était noir et en face c'était blanc avec des imprimés, café, tout ce que vous voulez bien. Si vous vous souvenez pas, allez voir la vidéo, je vous la mettrai dans le coin de l'écran, la vidéo nouvelle vie, une maison, un truc comme ça, où je vous fais le petit tour de la maison. Donc là ma cuisine se retrouve dans un état pas possible. La chatte en peut plus, hein. Je viens de descendre dans la cuisine, elle s'imagine forcément qu'elle va manger. Et Onyxia, c'est très chiant. Voilà, donc pour l'instant ma cuisine ne ressemble absolument à rien. Et je vous ai montré aussi dans le vlog de lundi les papiers peints que l'on avait choisi. Donc ici on fait un mur brique et tout le reste va être blanc. Comme ça au moins il n'y a pas de couleur au mur, il n'y a rien. Donc si un jour la déco on veut, enfin la déco... il n'y a pas de déco. La cuisine, elle est notre cuisine, elle a toujours été... on a, je vais vous montrer notre cuisine. Notre cuisine, elle est comme ça. Je pense que vous voyez. C'est la première cuisine qu'on a eue quand on a eu notre premier appart. Il faut savoir qu'on a déménagé 4 fois hein, pour celles qui débarqueraient. Du coup, à chaque fois, on a dû la réadapter au nouveau logement parce qu'on l'a acheté. À la base, on avait une cuisine en longueur avec des éléments de chaque côté. Et quand on a déménagé, à chaque fois, bon, bah, c'était un peu compliqué. Les cuisines, comme là, là, on fait pas la cuisine qu'on voudrait, mais on va pas s'amuser à racheter une cuisine, soyons clairs. Donc, on l'adapte un peu comme on peut. J'ai juste racheté un meuble de four qu'il va falloir qu'on monte. Et je sais pas si on va pouvoir l'installer aujourd'hui parce qu'il n'y a pas la prise pour brancher le four là où je veux le mettre. C'est-à-dire là, là, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est un petit peu le caca. Mon père doit pas mal bricoler. Oui. Moi je suis une fille, hein, j'ai les idées, je vois ma cuisine comme ci, comme ça, sauf qu'en fait il y a tout un point de vue technique derrière où il faut une prise spéciale pour le four, une prise spéciale, une arrivée de gaz, une arrivée d'eau pour le lave-vaisselle, enfin tous ces trucs un petit peu chiants que nous les filles, on fait pas gaffe quand on fait des plans. Bon, et on se retrouve tout à l'heure, je parle depuis beaucoup trop longtemps. Oui, c'est à moi. C'est moi ça. Ah bon, c'est à toi. Mais regarde, j'avais aussi un poisson. Onyxia fait la belle. Et tu sautes pas sur la table, Onyxia. Onyxia, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle est debout? Non, Onyxia. Elle va sauter. C'est un crabe. C'est un crabe? Fais voir. Oui, ça y est, tu sais ce que c'est un crabe, mon amour. Un petit peu beaucoup plus tard, il est 11h30 au moins parce qu'ils ont mis encore du temps avant de me recevoir. Je sors du veto, voilà, le veto c'est là. Tout va bien. Enfin, la nouvelle que j'attendais. Donc, c'est quoi ce temps? On dirait qu'il fait nuit. Bon, Onyxia va beaucoup mieux, sa plaie est beaucoup plus propre, les antibios et tout lui conviennent très bien. Donc on continue sur cette voie. Elle m'a dit que dans 5 jours maximum, la plaie est refermée entièrement. Donc pas besoin d'agrafe. Merci mon Dieu. Et dès que c'est refermé, j'attends encore 3 à 4 jours avant de retirer la collerette pour être sûre et certaine que cette fois-ci elle n'y touchera plus. Les poils repoussent en plus, donc tout va être caché. Voilà, normalement c'est bon. Je prie vraiment pour que... je ne suis pas croyante, mais je prie, on s'en fout, pour que ce soit fini là, c'est bon, ce soit stop. Stop, on en arrête là avec cette opération catastrophique et qu'Onyxia aille vraiment mieux. Donc pour l'instant c'est en bonne voie. Voilà. Verdict la semaine prochaine, on verra ce qu'il en est. Je laisse passer cette semaine et j'espère vraiment que dans une semaine, tout est nickel.
Je suis soulagée. Maintenant, on retourne à la maison où j'ai laissé Ethan, mon chéri, mes grands-parents, tout le monde. Et je vais voir ma cuisine. Je pense que mon père a dû finir déjà tout un pan de mur. Je vais vous montrer ça. C'est un champion, mon père. Bon, nous, on mange pas encore, nous. Bah si, mamie a fait chauffer la purée. Bon, bah alors on arrête, on mange alors. Ouais. On arrête. Allez, hop. Voilà. Encore là. Donc, je suis tranquille. Et là, ce sera le mur en brique. Là, je suis tranquille parce que là, j'ai pas l'interrupteur à démonter. J'ai juste regardé ça. Ah, c'est pour Tata Lydie. Hein? Puis mamie, on l'a oublié, mamie Fabienne. Elle a regardé ça tout à l'heure. Elle a fait hein? Bon, le facteur vient de me déposer un petit colis. Alors, je ne m'y attendais pas à le recevoir maintenant. C'est une petite box maman-bébé qui vient de chez Prescription Lab. Mais on l'a déjà vu sur les chaînes des copines. Et je suis étonnée, je m'attendais à une box énorme. Mais en fait, et toute petite. Je sais pas si vous vous rendez compte, ouais, la boîte est toute petite, donc je pensais pas que c'était ça dedans. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il y a dedans, ça sent bizarre. Je trouve pas que ça sent bon, moi, je trouve pas. Ça sent bizarre. Je trouvais que ça sentait la pâte à modeler, mais l'homme travaille. Tu peux quoi faire? Tu peux quoi faire, Ethan? Oui, gel. L'homme est en train de monter mon meuble four. Mais du gel. La vie est belle en famille. J'aime vraiment pas l'odeur par contre, si c'est la bougie c'est un peu embêtant. Donc ça doit être le petit bouquin qui dit ce qu'il y a dedans, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme produit? Bon, je les connais un peu du coup, j'ai vu sur la chaîne des copines. Ici c'est une crème, c'est un baume corps thé vert, aloe vera. Tais-toi. Trop joli le packaging, j'aime bien. Ensuite, ça c'est un peu écrasé, c'est quoi? Anti-pollution, éclat, fluide, détox, c'est pas mal ça, visage. Ça, c'est trop canon, malheureusement j'ai pas de fille, mais c'est un vernis pour maman, et de l'autre côté, c'est un vernis pour... pour petite fille, donc ça je pense que je vais garder pour ma nièce. Une bougie là que j'ai. Et c'est ça qui sent, et j'aime pas du tout, du tout l'odeur. C'est embêtant, c'est une bougie qui vaut super cher quand même. Bon, donc voilà la totalité des produits que j'ai reçus, plus la bougie. J'aime pas du tout, mais pas du tout l'odeur. Ça sent... c'est à la cire végétale, mamie me disait. J'aime pas du tout. Pas du tout. Et au niveau des produits, j'ai l'impression que c'est un peu cher pour ce que c'est. C'est 48 € la box, mais en fait, il y en a pour 100 € de produits. C'est juste que j'ai pas l'habitude d'avoir des produits qui valent aussi cher en fait. Bon, la bougie elle est à 30 €, si je dis pas de bêtises. Et les produits Aven, Nuxe, tout ça, ça coûte assez cher. Donc c'est pas le genre de produit que j'achète, c'est pour ça. Mais du coup voilà. Et après si vous êtes habitué à avoir des produits de cette marque, ça va vous sembler tout à fait normal. Ça c'est super mignon par contre. Hein. Donc voilà pour la box, franchement c'est pas mal, l'idée est chouette. Juste c'est un petit peu dommage au niveau du vernis, parce que si vous avez un petit garçon, bah clairement ça vous sert à rien, le petit vernis pour enfant, mais je vais l'offrir à ma belle-sœur pour Victor, elle va être trop contente. Et la bougie... Ah oui, j'ai dit pour Noël. Et la bougie est très très jolie, c'est bien mais j'aime pas du tout l'odeur, après c'est une question de goût. Ma grand-mère est tombée en amour sur la bougie, donc... C'est pas perdu, ma grand-mère a récupéré la bougie, elle est très contente. Elle fait des sourires. Voilà, là il y a Gauthier qui galère un peu avec le meuble et je vais vous montrer. Il y a Gauthier qui s'en sort comme un chef avec le meuble. Je vais vous montrer la cuisine aussi. Donc voilà, tout ce mur est fini. On ne peut pas vous dire la couleur parce qu'on ne sait pas. À la base, je l'ai acheté blanc cassé. C'est fin ça, c'est fin. Comme une grosse aile. Donc à la base, je l'ai acheté blanc, bien cassé, papier. Et une fois au mur, il est rose. Il est rose poudré. Mais je pense que ça vient de l'éclairage. Je ne sais pas ce que ça donnera à la caméra, mais en vrai, je vous jure, c'est un peu embêtant. J'espère que ça va bien se marier avec le mur brique, on va bien voir. Bon, c'est le moment que je vous montre la cuisine. Alors faites pas attention, c'est pas encore rangé. Puisque déjà mon père va finir demain. Et puis encore un peu de bazar partout. Mais voilà, c'est pas encore définitif du tout. Mais ça vous donne une bonne petite idée. Tada! C'est vraiment, vraiment pas fini. Faites pas gaffe. Pour l'instant, tout doit être encore placé. Mais vous voyez le rendu du papier. Alors, il se passe un truc très bizarre. Je vous le disais, je crois, tout à l'heure. C'est que le papier sort rose. Rose poudré. Ce qui était absolument pas prévu. Puisque normalement, il était censé être blanc, blanc cassé, blanc beige. Donc, bon, c'est un petit peu mieux avec la lampe qu'on a mis là.
L'éclairage, la couleur est un peu mieux, mais ça reste, c'est pas blanc quoi. Là, donc ça c'est le nouveau meuble, la petite colonne de four qui n'est pas de la même couleur. On va sûrement récupérer cette porte-ci pour la mettre là, puisque ce meuble-là va peut-être pas rester. Mais à l'avenir, en fait, je comptais repeindre les portes, soit noir, soit blanc. Voilà, là il y a ce meuble-ci qui doit encore être croché normalement demain. Le micro-ondes va venir là, et puis il nous faudra donc un plan de travail ici avec un retour angle qui viendrait à peu près jusque là. Et puis là, du coup, il y a mon casserolier qui est arrivé là au lieu du four. Il faut juste, pareil, retailler le meuble, il est un peu trop large. Mais sinon, voilà. Puis après, bien évidemment, décorer les murs et ranger. Je ne sais pas ce que vous pensez du mur brique, franchement, j'adore. Pour 7,95€. Après, je dois vous avouer qu'il a été très très chiant à poser. Il a fait des cloques de partout, ça se voit pas tellement parce que vu que c'est un mur à effet, on a l'impression du coup que c'est le relief des briques, mais ouais, mon père en a un petit peu chié. Voilà, je suis trop contente. Donc aujourd'hui on est dimanche, en fait on a changé de jour, on est dimanche 5 novembre, et là tout de suite on attend la famille, d'ailleurs ils arrivent, on fait un petit goûter pour mon anniversaire. Voilà, ma soeur va nous avoir fait un gâteau. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va avoir fait, si c'est un gâteau d'Halloween ou pas. Là c'est encore un petit peu le bazar, franchement on n'a pas eu le temps de tout ranger, je vais vous montrer. La cuisine c'est toujours pas rangé, parce que mon père vient finir, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Bon, Ethan, oh tes ailes tombent, viens voir maman. La tête qui me fait... Non, dans le dos. Il fait son spectacle. C'est quoi? Non, un œil. Ah, comme ça.